Tu as rapporté ma veste ? Oui, j'ai eu une longue conversation avec la vendeuse et au final j'ai réussi à ça. Qu'il vous la rembourse. Je veux la récupérer. Je m'en charge. Cette ordi de merde refuse mon mot de passe. Non, c'est... Ça, c'était le mien. Va prendre le mien, alors. Réveille-moi à minuit. Oh, et ne m'effraie pas, surtout. Tu n'auras qu'à mettre une berceuse et augmenter doucement le volume. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis toujours la dernière ici. Moi, je suis toujours le dernier ici. Kirsten et Eric sont toujours ici, alors on n'a qu'à les enfermer dans une pièce et ils se jetteront l'un sur l'autre. Pendant qu'ils baiseront, nous, on sera libres. On voudrait arrêter l'ascenseur quelques minutes pour que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre. Wow, 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 c'est qui, lui ? Il faut que vous sortiez, monsieur. Passez aux choses sérieuses ! C'est exactement comme dans mes cauchemars. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Pitié, ne vous habillez pas ici. Je dois me libérer de ça, il le faut. On connaît tout sur nos boss, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Nous sommes les hommes derrière le rideau. Est-ce que Rick a des bonnes places pour les Yankees ? Non, il regarde depuis les gradins, comme toi et moi. Oui, bien sûr, quelle question ? Il faut que ces deux personnes s'embrassent. Un bisou ! Je ne reviens pas aujourd'hui. Il se peut que j'arrive tard. On a réussi tous les deux. On a permis à deux personnes malheureuses de retrouver le bonheur. Je suis fière de nous. Yeah ! Et vous vous connaissez bien ? Oui, on est amis. C'est cool. Pourquoi t'as dit ça sur ce ton-là ? Ta voix est devenue aiguë. Moi. Je ne laisserai pas croire qu'il peut m'apprendre comment le monde fonctionne. Sauf toi. On fait comme dans Hanouka. Non, c'est faux. J'ai vu ce classique avec Lindsay Lohan assez de fois pour savoir qu'on est en plein dans un scénar comme celui-là. Tout ce que je veux, moi, c'est ne plus être une assistante. Une fois mes 27 ans révolus. J'ai 28 ans. Oh mon Dieu, je suis désolée. Pour toi, c'est trop triste pour toi.